moi un de ceux qui chante le mieux, qui a une vraie personnalité, qui a une vraie gueule, qui danse. Grégory, il a une voix exceptionnelle. Je pense que c'est un des meilleurs chanteurs qu'on ait eu depuis le début à la Star Academy. Ma philosophie de la vie, c'est de toujours aller de l'avant, de jamais baisser les bras, de croire en soi. Et je pense que c'est hyper important, c'est ça qui... En tout cas, pour ma part, c'est ça qui me fait avancer. À 18 mois, les parents de Grégory apprennent que leur fils a une maladie respiratoire et qu'il ne grandira pas comme les autres enfants. Je suis née avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires et... Et bon, au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. Et jusqu'alors, ça m'a réussi. Grégory est un battant. Très tôt, il accède aux premières places dans tous les défis qu'il se donne. À 12 ans, malgré sa maladie, il est champion de France de rock acrobatique. Quand on vous apprend, quand il est âgé de 20 mois, que vous avez un fils qui a des soucis de santé, ben vous n'avez qu'une solution, c'est de vous battre. Alors toute la famille, elle fait bloc. Et puis on avance. On avance, on se fixe des objectifs. Et puis nous aussi, on croque la vie à pleines dents. On prend le meilleur. Chaque mois, Grégory se rend à l'association de lutte contre la mucoviscidose pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, son entrée dans la Star Academy est un vrai message d'espoir pour lui et tous les gens atteints par cette maladie. L'exemple de Grégory, qui rentre à la Star Act, va être un véritable message d'encouragement et d'espoir pour tous les patients touchés par la mucoviscidose. Ça va être pour lui une extraordinaire bouffée d'oxygène. Et ça va déboucher, je suis sûr, quelque chose de merveilleux. Le fait d'être malade, c'est pas de rester les pieds dans les pantoufles sur un canapé à regarder la télé 24h sur 24. Ça, c'est pas possible. Donc c'est action, voilà, go, comme on dit. Droit au but. Tous les cris, les...